Mais Alors, là, attends, attends, tu peux vous rien avez faire. vu la série, Fringe? Oui. Eh ben, Oui. imagine que en fait, ce qu'on est en train de vivre là, c'est une fusion de deux réalités, en fait, de deux réalités parallèles. C'est-à-dire qu'on est les mêmes, mais on n'a pas forcément les mêmes souvenirs parce que on vient pas du même monde parallèle. Ah Ce serait bon? rigolo, quoi. Imagine, non mais je sais pas, moi j'en sais rien. Tu vois, je suis J'ai pas compris ce en que tu pleine veux comment. Bah, tu sais, dans Fringe, il y a deux univers parallèles en fait, Je sais pas, avec les mêmes j'ai personnages, pas vu Fringe. chacun son double en fait. C'est Ah bah ça. en fait, Ah bon, c'est une d'accord. série. Ouais, Mais il y a un univers parallèle en fait dans ouais. lequel tu as ton double, toi Mathieu, toi. Ouais. Mais il y a des tout petits changements parce que tu n'auras pas pris exactement les mêmes décisions au même moment. Et puis comme personne ne prend exactement, toi, comme tout le monde fait des petits changements, le monde est légèrement modifié. Bah Il était oui. même en, genre à 10 ans ou 50 ans d'avance, je sais plus C'est dans le ça, ouais, 50 ans scénario. d'avance. Ouais. Ce que tu Ouais. voudrais dire, c'est qu'il y aurait une sorte de, De fusion des pas de deux. fusion, mais d'échange, en fait, d'un échange de l'autre. Non, En d'une fait, fusion. ah Bah non, ouais. parce qu'il y a des gens qui ont des souvenirs d'une certaine manière et des gens qui ont des souvenirs d'une autre manière. Tu Bah vois? Comme ouais. s'ils provenaient de deux réalités différentes. Ouais, je comprends, ouais. Ah, c'est ghetto, hein. C'est Ouais, ghetto tout ça. c'est ghetto. Oh C'est fuck, moi c'est mindfuck ça. là Va parler aux oiseaux, C'est comme les petits jeunes. Tu vois, il y a des petits jeunes maintenant qui parlent d'effet Mandela, là, des petits jeunes de 17 ans, 16 ans, 17 ans. Mais c'est pas mal, hein, ils sont. C'est bien, quoi. C'est bien que dis. des jeunes commencent à Pose des s'éveiller questions, ils se comme posent des bonnes ça. questions. Voilà. Oui, alors je vais vous montrer quelque chose complètement what the fuck, quoi. Non, mais attends, j'ai vu un truc trop Ah ouais, WTF, c'est complètement badass, tu vois. quoi. C'est dans un langage maintenant. Pouf. Ouais. Oh, J'ai vu un truc lol. trop amazing, quoi. Un truc de malade, quoi. Lol. Lol. MDR. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, moi, ça m'arrive de le mettre, lol, quand même. J'aime bien. Ouais, ouais, Ça me fait ouais. rire. Moi, Moi aussi, je j'aime bien parce que ça fait mets. portail. J'aime bien De le toute côté portail. façon, effet Mandela, lol, Ouais. ça ne veut plus dire love, love out loud. Ça veut dire lot of love. Ah ouais, Lot d'accord. of love, mais tu rigoles. Ah ouais, lot of love. Ah, mais. Et non, mais c'est moi qui dis ça. Ah, d'accord. Voilà. Et En fait, MDR c'est le n'existe 101, plus. c'est le passage. MDR n'existe plus. Là, c'est l'effet Rastaman. VDR. Là, l'effet Rastaman. MDR n'existe plus. On ne meurt plus de rire. On est vivifié de rire. Ah oui, VDR, ouais. De rire J'ai appris vivement. ça à mon fils tout à l'heure. Il était mort de rire. Il était VDR, Je t'ai fait niquer à ton du coup. propre jeu. Il m'a quand même mis un WTF, quoi. On m'a vivifié. On m'a vivifié. Pas du WTF? What What the Bah, c'est comme OZEF. fuck? Quand je jouais aux jeux vidéo, OZEF, ça veut dire c'est une abréviation de on s'en fout, en fait. Fout. Voilà. Donc, quand il y a un truc qui te fait chier, au lieu de dire on s'en fout ou on s'en bat les. Hein, on dit OZEF. D'accord. Je sais pas, ça sonne hébreu, tu sais, t'as l'impression que c'est un peu comme si tu dis Mazel Tov. Ah bon? C'est Ouais. trop. Excellent. Bientôt, on va parler en codage, quoi. C'est ça? Ah bah, bientôt on va parler en 0 et en 1, mon gars. Ouais, mais c'est comme des fois, je vois des gens qui écrivent GG. Ça veut dire quoi, GG? C'est good Ouais, game. Good game, ça veut dire GG. bien joué en fait. Ouais. Ok. En D'accord. maoré, ça veut dire salut, ça va bien? Comment ça va? Le GG. Ouais, mais quand. Mais moi je le disais souvent avant GG. Hein. Quand il y a un truc qui se passe bien. C'est Gérard! Alors. Gérard! Et à qui? Non! Eh ouais, GG, c'est good game, donc bien joué, quoi, en fait. C'est Ah, ok, Ouais, c'est c'est bien joué, cool. c'est ça. Ouais, ok. Mais Good ça, game. c'est plus dans les MMORPG que tu parles comme ça. Ah, Oula! moi, c'est sûr que si je te parle en MMORPG, tu vas tenir une phrase et demie et tu vas t'ouvrir les veines. RPG? Hein? Tu veux dire RPG? C'est en Parce fait que bien sûr. c'est role-play gaming et MMORPG c'est multi-massive attends c'est multi-massive online role-play game Ça veut dire quoi? role-player game donc ça veut dire que c'est un jeu de rôle
en ligne, multi-massif, c'est-à-dire avec des millions de personnes, quoi, en fait. C'est ça que ça veut dire. Oh là, ouais. Ah ouais, c'est on y arrive. Ah ben, bah, t'as 30 ans de retard, mon gars, là. Ouais, j'ai 30 ans de retard. T'imagines quand les gars dans ces RPG, justement, dans ces jeux-là, leur avatar, il va changer de nom. Effet Mandela ultime, tu sais. T'as dit RPG. Mais qui suis-je? RPG, c'est quoi? C'est des nouveaux renseignements généraux. Ouais, voilà. En fait, c'est ça, ouais, c'est une extension. Ouais, l'extension des RG. Ouais. Mon Dieu, même mon personnage ne s'appelle plus comme il était avant. Hein, c'est la fin. Je ne suis plus rien, j'ai tout perdu. Putain, même sur le MMO, il n'y a plus rien de vrai. Allez, ouais, tu veux... où est l'aime le rasoir? Attention, hop, c'est fini. Ouais, oui. Et ouais, et pour en revenir sur l'effet Mandela, bah, y a le premier que j'ai entendu parler de ça, c'est... Bah, je vous conseille sa chaîne, il est pas mal, c'est GeoSwing. GeoSwing tout attaché, comme Geo trouve tout, mais c'est Swing. Voilà, c'est un guitariste et c'est un musicien de jazz manouche. Il est très fort en musique. Et donc, lui. Vous m'entendez? On coupe ton YouTube. Ouais, on t'entend, ouais. Ok. On t'entend, Rasta, man. T'entends, Rasta. Ah, mais c'est pas tout, Rasta. Ouais, bon, donc, c'est GeoSwing. C'est un gars, donc c'est un musicien de jazz manouche qui est très fort. Et lui, il lutte contre les chemtrails, contre le CERN. Et lui pense que ce qu'on appelle l'effet Mandela viendrait du CERN. Le CERN qui essaye de créer, soi-disant, des mini-trous noirs microscopiques dans leur collisionneur atomique, là. Et que ça créerait des failles spatio-temporelles. Oh, ah oui. Heureux. Ou des failles temporelles tout court, quoi. Wow. C'est sa théorie. Après, c'est une théorie parmi tant d'autres, quoi. T'as peut-être raison, hein. Vous parliez de quoi, là? Peut-être, ou alors... CERN. Peut-être, on ne sait pas, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur le voyage dans le temps, qui étudient ça, machin, qui essayent de voir si c'est possible de voyager dans le temps. Donc, on ne sait pas si c'est possible. Dans l'espace-temps. Dans le temps, dans l'espace-temps. Oui, dans le temps, exactement. Mais si c'est possible de voyager dans l'espace-temps, oui, peut-être que une ou plusieurs personnes auraient voyagé dans le passé, un peu comme dans le film L'effet papillon. Non, dans l'espace-temps, il ne faut pas confondre l'espace-temps et le passé ou le futur. Dada, mélange un peu tout. Il est où, Dada? Il est parti? Ben voilà, tu l'avais que c'est, il s'est barré. Oh merde, putain! Il est parti dans l'espace-temps. Non. C'est clair, il est parti dans une faille temporelle, il s'est fait aspirer. Quoi. Il s'est fait aspirer par le CERN. Ouais, il s'est fait aspirer par le CERN direct. Faut pas dire CERN dans les hangouts. C'est clair, c'est comme NASA, en fait, c'est pas bon de dire. Faut pas dire NASA. Oh, ok, liste. Non, mais en parlant de CERN, quand vous prenez la carte de, comment elle s'appelle déjà, Kobayashi, non, c'est ça? Oui. Il est à peu près au centre, hein, le CERN. Hein. C'est ça. Ah ouais? Oui, oui, il est au centre. Il a raison. Ah ouais. Il a raison. Hein, ouais, mais bon, c'est clair, on rentre vraiment dans une phase de grosse manipulation, hein, c'est clair. Grave. Embrasser les arbres, marcher pieds nus dans l'herbe. Ouais, bah bon, là... Ah, mais si, il y en a toujours. Il y a toujours un arbre quelque part. Il y a toujours un brin d'herbe. Marcher pieds nus, peut-être pas trop, là. Ah. On va éviter. Non, mais je plaisante. C'est une manière de parler, mais... On tombe, si tu veux. Se méfier, en tout cas, de tout ce qui vient de ce système, en tout cas. De tout. C'est clair. De marcher sur le béton, là, ou le goudron, là, ça va pas être cool. Ouais, mais il y a la terre dessous, quand même. Hein. Tu sais, ouais, non. On n'est plus connecté. Hein. Il y a le béton ou le... Ah, mais si, t'inquiète. Attends... moi, j'ai eu les arbres, ils percent le béton. Je suis d'accord avec toi, dans la forêt, tu peux marcher pieds nus. Là, tu es connecté. Même dans ton jardin, hein, avec de l'herbe, normalement. Oui, oui. Bah oui, carrément. D'ailleurs, ça fait longtemps que je me suis pas mis les pieds nus dans l'herbe. Il paraît que c'est très, très bon. Ah ouais, c'est bon. C'est rien, ça paraît rien, et c'est énorme, en fait. C'est
Ça change vraiment la rosée du matin que, dans l'herbe. En fait, on coupe carrément l'énergie qui vient naturellement du sol et qui nous remonte par les pieds, quoi, en fait. Ouais, et puis on se charge justement de cette énergie. Je suis de retour, excusez-moi, je me suis arrêté à quand quand t'as dit ça, Dada, c'est vrai. T'es parti dans l'espace-temps, là, Dada. Dada, ça, quand t'as dit je suis de retour, ça m'a fait penser direct à Retour vers le futur. Je suis de retour. Je suis de retour. Au bord de la DeLorean. C'est vous, le Doc Doc. J'ai été voyager dans le passé et je me suis amusé à changer des marques pour rigoler. L'enfoiré. J'ai enlevé le poli. J'ai mis les yeux bleus à Hitler et je vais aller agrandir sa moustache. Vous pouvez vérifier si vous me permettez. Il va lui faire du stop mensonge bientôt. Du coup, j'ai mis des locks à Hitler. Ça lui va tellement bien. Hitler était moi. J'étais Hitler. Ah, ça aurait été trop bien.